C'est bon? C'est parti. Allez. Allez, vas-y. C'est parti, mon kiki. L'auto. Alors, la puissance, 2300, elle est affichée. Le badet, il est déjà actif, hein, il est déjà 50 nœuds. Donc, il faut garder le radio au sol. Ouais. Tu vois, je me bats. Ah, il décolle tout seul. J'ai pas appuyé, il a déjà décollé. Ah ouais. Ah, il est en 80, d'un coup, là. Paf. Ah ouais, c'est là où tu comprends les rafales. Alors 70 nœuds, on garde dans les 70 nœuds, on va essayer de prendre 75. C'est impressionnant là. Ça sent bien. 75. On passe 300 pieds entre les traînées, on va perdre de la portance. L'avion va descendre un petit peu. Voilà. On compense. Faut bien regarder le thermomètre, 82. On poursuit la montée. Donc là on peut faire un virage à 500 pieds sol, mais vu le vent aujourd'hui, on va même prendre une marge supplémentaire. 400 pieds en vario. On va passer 1000 pieds. 900 pieds, ouais. On a encore 1500 pieds à se faire branler comme il faut. 1000 pieds. Je coupe la pompe, je coupe le feu de décollage. Je poursuis ma montée. 90 nœuds. 2. Vitesse sol, on est à 45 nœuds. Ah ouais. D'accord. Donc là j'ai 85, 45. 40 là. On a 40 nœuds dans la poire là. Bon, le problème, c'est le plus chiant, ça va être le vent traversier. Je peux faire monter un maximum. En principe, c'est là qu'on vire. Tu vois où il y a la voie de chemin de fer? Ouais. En principe, là, on est à 700 pieds. Là, je suis à 1600 déjà. Ouais. Je te laisse imaginer le vario de malade qu'on a. Ah, on est bien à 800 là. Là je vais bien mettre du pied dans un virage propre. Je garde l'horizontal pour le caméscope et on voit là. Il est bon comme ça. 1800. 1800 pieds. Ah, on commence à la voir la dérive là. Comme ça en novembre, 1900 pieds, on passe 2000, toujours en route pour Vinon. Novembre, eh bien initialement monté 2005 et contacté Provence Info sur 127-72. C'est volable, c'est-à-dire il n'y a pas de danger, il faut être vigilant quoi. Surtout sur la courte là, j'ai commencé à attaquer vraiment la descente, il va falloir concentrer. Vas-y, vas-y, j'admire. Là, c'est ça la dégueulante que je te parle de tout à l'heure. Ouais. Tu vois la TGV où il y a les traits rouges là. Oui. Là c'est là, on est au-dessus du plan. Si t'es sur un plan, tu te tapes la dégueulante. Et là tu le fais passer là. Donc déjà on va la prendre la dégueulante, c'est sûr. Tango novembre, on se fera dans la dernière s'il vous plaît. De la rame du Nord, 21 à salle 33. C'est bien pris, merci Tango novembre, on atterrit.
Ouais, il est impératif de tenir les paramètres. Vitesse, axe, plan. Donc moi, mon plan, c'est 3 planches aujourd'hui. 440. Okay. Bon, 1,30 de plus au niveau du plan. Donc j'ai passé la voie de TGV. Voilà, je reprends mon plan. T'as vu, regarde, il est descendu tout seul. Ouais, tout seul. J'ai pris, la petite dégueulante, hop, ça y est, là il reprend. Il avait pris sa petite dégueulante. Passe à pied. Descends. Mais j'arrive pas à le cabrer. Non, elle aime pas. Ça va remuer. Hein. Pas de problème. Donc là, oh là bien. Voilà. À peine secoué. À peine. On va dire pas secoué. Pas très arrondi, mais.